Bonjour YouTube, aujourd'hui une vidéo très courte pour vous montrer un exercice sympathique si, comme moi, vous avez l'impression de pas mal vous débrouiller, de pas mal jouer, mais de vous faire planter sans arrêt des coups tactiques par votre adversaire qui gâche des parties que vous aviez gagnées. En gros, si vous avez l'impression que vous faites souvent des gaffes, non pas forcément sur vos coups, mais en ratant les coups de l'adversaire. Pour ça, il y a une fonction sur Chess Tempo qui est vraiment géniale. Et que je vais vous montrer tout de suite. Lorsque vous êtes confronté à un problème sur Chess Tempo, réfléchissez pas pour l'instant, comme celui-ci, vous avez une petite icône ici magique qui est de retourner l'écran. Donc, généralement, Chess Tempo vous propose le premier coup. Je sais pas si je vais réussir à l'activer. Voilà. Et vous devez résoudre le problème. Si vous cliquez sur ce petit bouton ici, vous inversez l'écran. Alors c'est tout bête évidemment, et vous vous retrouvez dans la place du défenseur qui joue son coup, tour F6, et qui doit se demander si je joue tour F6, qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout bête, vous résolvez le puzzle en inversé. Donc évidemment tout le monde connaît cette méthode, mais je crois que personne ne l'applique. Et sur Chess Tempo, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez créer un compte personnel, spécifiquement pour résoudre des problèmes en mode inversé. Et vous pouvez donc comparer votre côte entre le mode normal et le mode inversé. Donc là, on réfléchit, mais avec le point de vue des noirs, et on se dit évidemment que peut-être si on joue dame prend G7, échec, il y a tour qui vient défendre, mais on peut peut-être faire dame prend F7, roi défend, et ici il y a cavalier échec. Fourchette avec la prise de la dame et les blancs ont gagné une pièce. Voilà. Donc ce mode Chess Tempo est sympathique parce que dès que vous êtes présenté avec un nouveau diagramme, vous pouvez inverser l'écran, tourner l'échiquier et prendre le point de vue de la défense plutôt que de toujours l'attaque, toujours chercher qu'est-ce que je peux faire. Ça permet de voir un petit peu qu'est-ce que peut faire l'adversaire sur mon coup. Moi j'ai ce problème-là, hein. Franchement, je ne porte pas assez attention aujourd'hui aux possibilités de mon adversaire. Et donc j'ai commencé, enfin vous le savez, dans mon programme, j'ai en ce moment beaucoup de tactiques, presque 2 heures par jour, même plus. Pour varier un peu les exercices, j'ai tenté ce mode en créant justement un compte. Et j'ai observé une chose assez intéressante, c'est que j'ai plus de, attendez que je ne dise pas de bêtises, 200 points, 200 points Elo, on va dire, de différence entre les diagrammes que je résous dans leur position originale, c'est-à-dire on va dire en attaque, et j'ai 200 points de moins sur ce que je résous en défense. Donc c'est clair, je ne porte pas assez attention, ou je ne vois pas bien, je ne vois pas aussi bien les possibilités adverses que les miennes. Et c'est un peu logique parce qu'on résout toujours des diagrammes avec son propre point de vue, mais seulement en partie, notre adversaire, lui, bah, il résout aussi avec son point de vue, sa position. Et donc, par exemple, c'est compliqué de constater, dans mon cas, que mes adversaires ont 200 points de plus que moi en attaque, que je n'en ai en défense, par exemple. Donc je vais renforcer cet exercice et je voulais vous en faire part parce que je pense que c'est un exercice qui peut être sympa pour tout le monde. C'est un peu moins rigolo que d'être attaquant, mais je pense que les bénéfices peuvent être extraordinaires d'apprendre à voir toutes les possibilités du jeu adverse très très vite en fait, ne peut que faire progresser. Voilà, donc bah faites-le. Évidemment, c'est pas valorisant non plus parce qu'on se retrouve souvent avec une évaluation sur Chess Tempo qui est inférieure au niveau qu'on croit avoir. Mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est révélateur de nos faiblesses, de nos points faibles. Et bon, alors si évidemment vous voyez mieux en mode défense qu'en mode attaque, continuez à travailler beaucoup plus l'attaque. Mais si c'est pas le cas, posez-vous des questions sur le type de diagramme que vous devez résoudre. Est-ce que c'est plutôt avec le point de vue de l'attaquant ou plutôt avec le point de vue du défenseur? Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bons entraînements et je vous dis à bientôt en regardant à nouveau cette jolie petite solution triviale. Et oui, les blancs gagnent une pièce. Donc tour F6 pour les noirs n'était pas le bon coup, assurément. Voilà, bonne journée, au revoir.